Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve sur le PBE pour une petite game avec Mademoiselle Briard, évidemment. Alors me demandez pas pourquoi mon pseudo c'est McChicken Nuggets. Je vous répondrai tout simplement que c'est parce que c'est très bon les nuggets. On va prendre l'item rouge. Alors du coup pour ceux qui ne savent pas, il y a plein de nouveaux items qui sont sortis sur le PBE et qui sont extrêmement cool, surtout en termes d'AP. Parce que vu que j'aime pas les persos AP, bah, je vais prendre des items AD. Parce que moi je suis plutôt un bruiser player. Et aujourd'hui on va tester Briard Assassin. Alors, vous allez me dire, Briard Assassin, c'est marrant, mais c'est que drôle. Et je suis totalement d'accord avec vous. Briard Bruiser est 100 fois mieux. Sauf qu'ils ont retiré Eviscérateur. Du coup maintenant, bah, je vais me forcer un petit peu à la jouer létalité. Et je vais jouer, évidemment, en first item, Hubris. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça fait système, en gros système, une fois que vous l'avez en votre possession, quand vous tuerez quelqu'un, il y aura une statue de vous-même qui apparaîtra ici au spawn en fait. Et vous pourrez en avoir plusieurs. Et en gros, à chaque fois que vous avez une statue, vous allez gagner un stack. Et quand vous tuerez quelqu'un, vous aurez pendant une minute l'effet que l'item vous donne, qui est celui qui est écrit juste là. Et qui est de faire plus de dégâts. Voilà, quand vous avez fait des dégâts à un champion, tu gagnes 10 plus 1 en fonction du nombre de statues que tu as de dégâts. Donc en gros en AD. Il y a Echo qui est là-haut. Ok, en fait il est juste allé ward mes piou-piou. Ça va, c'est pas trop grave. Bon. On va vite faire ce petit red buff. Putain, est-ce que je fais un gank level 2 et puis de toute façon je suis pas mon Q-spell donc ça sert à rien. Alors du coup pour ceux qui n'ont pas trop regardé les changements aussi, même si j'ai fait une petite vidéo dessus, maintenant il y a des larves qui apparaissent, comme on peut voir là-haut, les Void Grub, c'est les larves du néant. Ce camp est très très important à faire car il vous permet de push les tourelles beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. En fait quand vous tapez une tour, vous allez mettre une sorte d'ignite et vous allez faire des dégâts sur le long terme en fait. Et c'est très cool. Et en gros si vous avez 5 bébêtes, vous allez faire vous-même spawn des bêtes, c'est pour ça que c'est super important de jouer top. Moi j'ai toujours adoré jouer top, mais il n'y a pas d'objectif en early. Maintenant qu'il y en a, c'est trop bien de jouer top. Ah, il va aller ward et jouer le carap avec la Kiana. Est-ce que je veux quand même y aller? Évidemment que oui. On se laisse pas marcher sur les pieds, lui. En vrai, j'ai le choix entre Kiana ou l'autre. Je peux aller sur Kiana. Nice, ça c'est fait. Nice. Le perso de bien fou, je vais taper le CS. On va direct reset. Donc là c'est un bon petit early comme on aime. Et une TP de way, une petite TP de way. On va acheter ça, ça, la pink, on va courir bot. Quoique non, on va directement aller sur les larves. Du coup si je mets mon Z au milieu. Ouais non ça marche pas. Là c'est possible de... Ah mince, elle va arriver l'autre. Ah ouais je vais juste en tuer une. Merde, ça a attrapé la mauvaise personne. Bon, c'est pas grave. Hein. Mon Q-spell, il est pas passé sur la Kiana, mais elle a trop mal joué. Ah, ce mur, il est trop horrible. C'est impossible pour moi de gank. Allez! Nice! Faut vite fait que je ferme mes camps. Après, s'il vient me dire bonjour. Hein.
Ouais, non, moi il est mort. Nice, ça fait un petit kill sur l'écho, ça. Nice. C'est pas mal du tout. Et là, je vais être très très bien dans la game. Hop là. Donc maintenant que j'ai mon hubris, je vais être très embêtant pour l'équipe adverse. Parce que maintenant j'ai un scaling infini avec cet item. Ok. Bon, ça me force à flash, mais c'est pas trop grave en vrai. Pourquoi c'est pas trop grave? Parce que j'ai mon hubris et du coup récupérer un kill, ça fait spawn une statue de moi comme vous voyez là. Et en gros à chaque statue, bah comme je vous l'ai expliqué juste avant, j'ai les stacks qui s'activent. Non. Mon E c'est pas mis, je voulais le mettre beaucoup plus tôt mon E, mais c'est pas envoyé. My bad, c'était un Z beaucoup trop agressif. Oh, mon Z il est pas passé. Enfin mon E. Mon E il a pas fait, il a pas poussé contre le mur. Je crois que ça s'est, il s'est envoyé pile au timing où il était encore dans son E. Bon, dommage. Il a vraiment flash le écho là. C'est un petit barjou là. Ulti. Bah, il a pas ulti. Il a préféré ne pas ulti. Hop, petit shake. Ok, nice. Oh, mais je vais râler dans l'axe. Là, c'est le moment où on va le ride, généralement. Hop, on monte dessus, on met la flèche dans la bonne direction, et wouhou, let's go! Et vous voyez, ça fait spawn des petites bébêtes, et en plus de ça, vous avez un gros shield. Si c'est pas beau, ça. Est-ce qu'on peut le recontrôler? Oh, on peut! C'est trop bien! On peut contrôler deux fois mon Herald. Wouhou! C'est trop bien, j'aime trop. Et voilà. On a pris que deux tours. C'est incroyable. On vient de se régaler. Merde. Il y a un petit golem qui allait la taper. Ah la pauvre Yone, il va être un peu triste hein. D'ailleurs petite nouveauté, vous l'avez peut-être pas remarqué mais là je viens de back avec le back de l'Herald. Et oui, maintenant l'Herald, le buff, je sais pas où il est, mais je crois que vous avez un recall. Je sais pas si c'est une durée, mais vous pouvez recall même si vous avez plus l'Herald. Oh mais c'est pas possible, c'est comme un ulti là. Ah, bah la réponse est oui. Bon, bah le Wave je l'ai tué sans faire exprès, mais... c'est pas grave. Bon, petit Yon. Il a de se faire claquer les fesses. C'est bon. On lui a mis sa fessée.
Oh let's go, c'est vrai que vu qu'on a tué les raves, maintenant les buffs ils sont sous ma short. Du coup hop, je viens de tuer le red buff. Attends, what? Ça a pas donné le red buff toute mon équipe. Je crois que c'est parce que j'avais pas le thème amélioré. C'est bizarre ça. Non, je vais mourir. Non. Elle me fait trop de dégâts, Lyon. Donc là, vous allez vous dire, mais Kirk, tu nous as pas montré la base depuis. Qu'est-ce qu'il y a? Et bah, paf, il y a plein de statues de moi grâce à mon item Hubris. Et vous avez vu, c'est très très drôle en vrai. Regardez, je vais me mettre à côté. Hop. C'est bien pour l'ego, hop. Plein de statues de moi, ouais, ouais, ouais. Juste acheter une petite épée là, hop, voilà. Et du coup, au plus je vais faire de kills, au plus il y aura de statues de moi, et au plus bah je ferai des dégâts, et au plus je vais one shot tout le monde. C'est pas cool ça? Enfin, le red buff il me fait de l'ennui. Eh, c'est pas possible, je peux toucher un seul kill de la game là. Allez, cours! Let's go, je me suis attrapé. Nickel. Nickel, nickel. Oh, il est là. Il me disait bien qu'il devait être quelque part, là. 1, 2. Oh, les dégâts que je mets, c'est n'importe quoi. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Je vais mettre un outil ou un truc là. Coucou! Il va mettre un dash. Enfin, il veut même pas dash. Merde, j'ai touché les gains. C'était pas prévu, mais... Et là non. Touché coulé. Quand même cool qu'avec Briard, que tu tues quelqu'un sans faire exprès en balançant son ulti. Ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est très très drôle. Du coup on peut acheter Eclipse maintenant, hop, petite Eclipse, on va vendre la pink et on va partir sur l'arc axiomatique. Ça donne quoi maintenant? Attends, quand un champion meurt dans les 3 secondes après que tu lui fais des dégâts, ça te redonne 31% 31% de l'habilité. C'est encore ouais sur l'ulti, ok. J'ai pas envie de faire ça en vrai. Je vais plutôt prendre ça, le Volcanic Cyclosword là. Attends, mais ça marche que sur. Ouais, non, mais l'item en soi ça donne une attaque énergisée. C'est en mode si t'es obligé d'avoir par exemple un statique pour l'utiliser, c'est un peu bête. Non! Il a réussi à me tuer Lyon, je n'en reviens pas. Juste parce qu'il a BOTRK et Kraken. Et bah. Hop, vous avez vu? Plein de statues de moi là. C'est pas le rêve ça? OMG, est-ce que j'ai touché le premier ulti de ma game? Eh non, je vous spoil. Let's go! Fallait juste que je temporise mon ZD mon Q-spell.
plus l'Icarus Cap Rock. Parfait. Je crois que la Kiana elle a quitté la game. Hein. Je sais pas où est la cloche. J'ai dû acheter un item. Attends, je peux d'abord le tuer là. Wouhou! Hop, cycle truc plus le void. Il veut pas le mettre son ulti, il veut pas que je le tue moi. Ah si. Pas de chance. Ah. Comme je veux tous les méchants. Est-ce que vous pensez que je peux la tuer dans la fontaine là? Attends, attends. Alors c'est vrai qu'on peut pas les tuer quand quelqu'un quitte la game, on peut plus faire de dégâts. Sinon j'aurais tué. Bon dommage. Voilà, faire de dégâts de la game évidemment. On a bien oblitéré. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ce stuff sur Briard vous mettra bien et que vous le testerez aussi sur le PBE ou alors quand le patch sortira. Et sur ces deux mots, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.